Dans cette troisième vidéo, vous voyez, je n'ai pas changé. Dans cette troisième vidéo, Yves Mondo me démange. Dans cette troisième vidéo-là, moi, je pense que... On va essayer de trouver un peu les solutions. Hein. Moi, je pense que le problème de la femme africaine, c'est qu'on a besoin de guérir de nos blessures de l'enfance, de l'adolescence, et puis de nos blessures même de jeunes femmes. C'est pour cela que moi, j'ai institué le challenge lecture. Désormais, je lis un livre tous les deux mois. Je pouvais dire chaque mois, mais je sais que vous n'allez pas le faire. Donc, ceux qui peuvent lire un livre chaque mois, tant mieux pour vous. Mais sinon, c'est un livre chaque deux mois. Et moi, je vous propose vraiment 5 livres cette année. D'accord? Le premier livre que je vous propose, c'est « Les 5 blessures qui empêchent d'être soi-même ». Ce livre-là, vous en avez besoin pour votre guérison. Vous avez besoin de guérir. Vous avez besoin de reprendre confiance en vous. Vous avez besoin de reprendre confiance en vous. C'est un travail de psychologue, hein, ce livre-là. Comme vous ne voulez pas aller voir psychologue, ce livre-là va remplacer le psychologue. Achetez-vous ce livre-là. Il est sur Amazon. Il est à la FNAC. Il coûte 8,60 €. D'accord? Le deuxième livre, Savoir lâcher prise. Chaque jour, être soi-même libre et puis heureux. Il est des mélodies Bitty. Vous voyez, c'est le deuxième livre que je vous conseille. Je vous conseille ce livre-là. Je vous conseille un autre livre. Savoir communiquer est un atout indispensable pour réussir. Que ce soit dans sa vie professionnelle ou personnelle, créer la sympathie, défendre ses idées, motiver ses collaborateurs, quel que soit son âge et son métier, chacun trouvera dans cet ouvrage les clés pour développer les relations de qualité. Alors, comment se faire des amis? Ce petit livre-là, il est à 8,90 € à la FNAC sur Amazon. D'accord? Je vous le conseille. Comment se faire des amis? D'accord? Je vous conseille ce livre-là. Lui, il est très épais, c'est vrai. Mais c'est un livre qui est très bien pour votre développement personnel. Il est de Robinson Sharma. Manifeste pour être un héros du quotidien. Vous savez, vous vous ennuyez. Les livres-là vont être désormais vos compagnons de vie. Et quand vous allez lire ces livres-là, surtout celui-là, les 5 blessures qui empêchent d'être soi-même. Quand vous allez lire ce livre-là, ça va vous aider. Je lis un peu le résumé. Les 5 blessures qui empêchent d'être soi-même. Le rejet, l'abandon, l'humiliation, la trahison et l'injustice sont les 5 blessures fondamentales à l'origine de nos maux, de nos souffrances, qu'ils soient physiques, émotionnels ou mentaux. Alors, ce livre, je vous le conseille. Je ne sais pas ce que tu vas faire pour l'avoir. Remue ciel et terre, débrouille-toi, démerde-toi comme tu peux. Mais achète-moi ce livre-là avant la fin du mois de juin. Tu dois avoir ce livre-là. Avant la fin du mois de juin, tu dois avoir ce livre-là. Absolument, rupture de stock. Ce livre-là, tu vas afficher rupture de stock. Vous allez lire. Mes soeurs, la lecture développe l'esprit d'anticipation, l'esprit d'analyse et l'esprit critique. Vous avez compris? Et puis, priez. Si vous croyez en Dieu, priez. Parce que le déo est risqué. Et le conseil que je vais vous donner dans cette vidéo-là, c'est vous dire, ne mettez pas le sexe dans les relations au début. Vous savez, à l'époque, moi j'ai compris ça. Hein? J'ai compris ça. Depuis que j'ai fait ma fille, j'ai compris. À l'époque, avant là, il y avait la période de fiançailles. Tu rencontres un homme, souvent c'est les parents même qui trouvaient le mari. Souvent c'est les parents. Ou qui trouvaient la femme. Et donc il y a une période de fiançailles.
Ça dit, cette période-là, c'est la période où vous apprenez à être des amis, à vous connaître, à communiquer, à vous rapprocher. Il n'y a pas le sexe dedans. C'est ça là qui manque aux relations d'aujourd'hui. Et puis, vos relations sont aussi tumultueuses que pathétiques. Parce que vous avez grillé beaucoup d'étapes. Allez, que le monsieur vous a rencontré aujourd'hui, vous avez causé un peu au téléphone, vous êtes rencontré 2 jours, 3 jours, le 4e jour, tu es dans son lit. Ou du moins, il est dans ton lit. Parce qu'aujourd'hui, moi, je ne comprends pas cette mentalité-là. Aujourd'hui, c'est plus chez les hommes qu'il y a les ébats sexuels. C'est vous, les femmes, qui accueillez maintenant les hommes chez vous. En fait, c'est le monde à l'envers. Vous avez tout gâté. Dans les couples d'aujourd'hui, on ne sait plus où est l'homme, on ne sait plus où est la femme. C'est femme qui paye le loyer, c'est femme qui paye tout. C'est sur le compte de la femme, passe toutes les factures. Et puis après, je ne sais pas, en fait, je ne sais pas dans quoi vous êtes, quoi. Je ne sais pas dans quoi vous êtes. Moi, je voulais vous dire, essayez de faire un break. À toutes ces personnes-là qui m'avaient appelé, qui m'avaient expliqué vos histoires, il y a parmi vous plein à qui j'ai dit, mais pourquoi quand tu... Parce que en fait, le problème aussi qui se pose, c'est que quand vous quittez une relation, mais pourquoi vous ne faites pas un break avant d'entamer une nouvelle relation? Les séparations sont toujours douloureuses. Ça laisse souvent beaucoup de séquelles. Souvent, vous sortez des relations avec 1, 2 enfants. Mais pourquoi vous ne faites pas un break de 1 an, 2 ans, année sabbatique en relation amoureuse, année sabbatique? Vous faites le vide et puis vous essayez de vous reconstruire et de faire de l'ordre, quoi, dans vos émotions, dans votre vie. Pourquoi vous ne faites pas ça? Pourquoi vous vous sentez toujours obligé d'avoir une queue derrière vous? Pourquoi? Moi, c'est la question que je vous pose. C'est quoi? Ça répond à quel besoin? Tu quittes une relation, ça s'est mal passé. Tu ne penses pas que tu dois faire un break? Et puis toi-même te remettre en cause. Qu'est-ce que tu as fait? Qu'est-ce que tu n'as pas fait? Et qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce que tu dois changer pour ne pas reproduire la prochaine fois les mêmes erreurs? Ça demande du temps. Un temps de réflexion. Un temps de remise en cause. Ça demande que tu te replonges en toi-même. C'est pour cela que je vous dis, vous allez lire. Acheter des bouquins. Achetez des bouquins. Allez à la FNAC, allez sur Amazon. Achetez des bouquins. Occupez votre esprit. Occupez votre esprit à la lecture. Construisez en fait vos émotions. Essayez de vous reconstruire à travers les livres. Les livres vous permettent de vous reconstruire. Les livres là, c'est bon. Ça te permet de te reconstruire, de te faire une bonne santé émotionnelle. Et puis comme ça, quand tu rencontres un autre homme, tu es plus stable, tu es calme, tu es... Parce que généralement, les hommes de la diaspora, là, ils jouent sur cette fibre-là. Souvent, ils tombent sur des femmes émotionnellement instables. Celles qui m'ont appelé savent de quoi je parle. Les bonnes histoires, là, vous êtes souvent... Vous n'êtes pas bien. Et c'est comme ça que vous tombez sur des relations... Qui après vous détruisent. Vous comprenez? Vous n'êtes pas bien. Il y a une dame qui m'a appelé aujourd'hui et qui m'a dit. Non, elle m'a pas appelé aujourd'hui. Elle m'a appelé à 2 jours. 2 ou 3 jours, je ne sais plus. Elle m'a dit, je veux que tu expliques mon histoire. J'ai dit, ok, je t'écoute. Elle dit, bon, j'ai étudié. Et puis quand je tentais de faire de grandes études, j'ai rencontré un homme. J'ai rencontré un homme bon, qui n'a pas, qui était dans la débrouillardise, quoi, qui n'a même pas un niveau d'études. Et mes parents à l'époque m'ont dit, celui-là, toi, tu as appelé à faire de grandes études, lui-là, il va être un poison dans ta vie, ça n'ira pas. Vous nous connaissez, quand on nous parle là, elle n'a pas écouté, elle s'est entêtée, elle a épousé le monsieur. Plus de 20 ans de mariage, souffrance. C'est maintenant qu'elle est en train de demander le divorce. Et même le divorce qu'elle demande là, il ne veut pas, parce qu'en fait, elle l'a réussi. Elle est dans la haute finance en Afrique. Et lui, il n'a pas d'ambition. Il n'a pas d'ambition. Il est au bas, au bas, au bas, au bas, au bas. Et c'est lui et elle. Et c'est elle qui fait tout. Hein. C'est elle qui paye tout, tout, tout. Même la maison où ils habitent là, c'est elle qui a construit la maison.
Et c'est lui qui la trompe. En plus de cela, quand il fait ses petites débrouillardises, il a un peu d'argent là. C'est lui qui la trompe. Jusqu'à un jour, elle le surprend dans un restaurant avec une femme. Il l'a battu jusqu'à la faillite, perdre la vie. Elle dit, mais tu as quel problème? Elle dit, je l'aimais, oh, je l'aime. Oh. Je l'aime. Je dis, on peut faire ça. Et donc, c'est comme ça que elle rencontre, elle fait la connaissance d'un jeune. Il est camerounais. C'est une jeune fille ivoirienne, elle a 44 ans. Elle rencontre un jeune camerounais. Beaucoup moins âgé qu'elle. Elle est encore légalement mariée. Elle a des relations avec ce jeune homme-là. Beaucoup moins âgé, hein. Un jeune de 32 ans. Ça dit qu'il a 10 ans de moins qu'elle. Et ce jeune homme-là, qui est un Camerounais, il laisse sa copine avec un enfant de 1 an. Et il dit c'est elle-là qu'il aime. Et donc, comme sa maison qu'elle a construite à l'intérieur du pays, et puis elle travaille en ce moment sur la capitale Abidjan, elle fait des va-et-vient. Et donc, au lieu de prendre, elle est en mission à Abidjan, au lieu de prendre une résidence, ça coûtait cher, elle a pris un studio. Elle a meublé parce qu'elle a l'argent. Le monsieur, il se lève là, le Camerounais, là, il se lève, là, il prend ses barrages, il s'assoit là. Ni sans commune mesure. Bébé, 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 bébé. Elle dit, ah, qu'est-ce que tu en penses? Je lui ai dit ce que j'en pense. J'en pense que tu es une idiote. Et que tu vas encore te faire avoir deux fois. Ce que j'en pense, c'est que tu m'arrêtes cette relation adultère là tout de suite. Ce que j'en pense, tu m'arrêtes cette relation adultère. Mais c'est une dame. Je l'aime tellement en fait. Je l'ai eu au téléphone. Elle a parlé, on a causé. Mais en fait, je l'aime, hein. Je l'aime beaucoup. Elle le sait. J'ai dit, bah, tu arrêtes. Et puis, c'est une personne, une belle personne. Rien qu'en entendre le thème de sa voix, c'est une très belle âme. C'est une très belle âme. Ma chérie, je te fais de gros bisous. Tu sais que je t'aime. Je t'aime très fort. Mais bon, il faut que je secoue un peu la toile, quoi. Donc, du coup, je lui ai dit ce que j'en pense. C'est que cet homme-là, c'est un gigolo. Le fait même qu'il ait laissé une jeune fille avec un bébé, mais tu devais t'en méfier, c'est un démon. Il est là pour ton argent, pour ta situation. Toi, tu as déjà vu noir. Il dit, ma chérie, c'est pas blanc, hein. C'est blanc. C'est blanc qui peut aller sortir une femme qui a 10 années de plus que. Et puis il n'y a rien. C'est blanc. Noir ne fait pas ça. Si noir a laissé une jeune fille de 25 ans pour aller toi te prendre, toi qui as 44 ans, avec 3 enfants, 4 enfants, ma chérie, c'est calculé. Toi, pas même. Vous là même, je ne sais pas c'est quoi votre problème. Hein. Noir, en plus un Camerounais. Dédicace spéciale à tous les Camerounaises. Mais vous savez très bien que vos hommes là sont des sauvages. Si, si. Moi j'ai mes copines camerounaises, elles sont bêtes. J'ai 7 copines camerounaises là où je vous parle là. Elles disent, elles ne peuvent pas se mettre avec Camerounais. Elles sont 7. J'ai les téléphones, on s'appelle, on s'écrit. Aucune n'est avec Camerounais. Leur maman leur dit, il ne faut pas se mettre avec Camerounais. Ah. Moi je vous parle. Moi je vous parle. Ah. Camerounais, les 3 C. Yedi, Congolais, Camerounais, Ivoirien, Côte d'Ivoire, les 3 C. On y a Comorien, ceux-là, laissez-les. Vous qui êtes à la diaspora, là, quand vous voyez ces 4 nationalités-là, passez, Congolais, Camerounais, Côte d'Ivoire, Comorien, les 4 C, les 4 C. Quand vous les voyez là, fuyez, décalez. Ils vont mélanger vos vies. On se dit à bientôt pour une prochaine série de vidéos. Après ça là, il y a un qui va sortir. J'ai tué. Il dit Facebook va prendre feu. Le défibrillateur des réseaux sociaux, c'est moi. C'est moi. Bientôt, on va s'attaquer maintenant à l'éducation de nos enfants. Vos histoires de partager histoire là, c'est bon. On va faire évoluer le débat. D'accord? Je vous aime. Ciao.